forcément, tous les yeux sont rivés sur lui. C'est pour l'instant une saison très prolifique pour lui, puisqu'il est leader au classement des buteurs. Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Ici, donc, la Team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la Première Ligue, Bournemouth contre Newcastle. Et voilà, on y est. Quel plaisir de nous retrouver ici. J'ai hâte d'assister au coup d'envoi et de voir ce que nous relève ce match. Titulaire. 4-5 ans offensif ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Voilà, la composition officielle de cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. C'est le premier ballon dans ce match. Et ce centre vers le point de pénalty. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Tony Parker. C'est raté. Il élimine son adversaire. Ah oui, bonne couverture là en soutien. Le ballon est récupéré. C'est Mawa. Et c'est vers Mawa. Bon pressing, très bonne récupération. Aouar avec le ballon. Oui, il s'est bien anticipé. La passe est coupée. Ah, il doit faire attention là, Nick Pope. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Et oui, quand on voit son nombre de buts, ce qu'on voit, c'est l'impact capital qu'il a pour son équipe. Depuis le début du championnat, on avait vu sa capacité à créer une différence et à marquer beaucoup de buts. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Aouar avec le ballon. Oui, dans la profondeur. La place pour tenter sa chance. Parade, oui. Il est maudit ou quoi? Oui, c'est bien défendu. Oh, et donc le ballon est éloigné. Et oui, c'est réussi, il est passé. Et c'est le but! Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. On se ralentit, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. C'est reparti dans cette rencontre avec les Magpies, menés d'un but. Lever la tête maintenant et très bonne intervention du gardien.
le corner bien tiré, le ballon sort en 6 mètres. Attention à cette frappe, belle tentative mais sans réussite. Et attention au mesure à la but au Leicester City Stadium. Oui, c'est le premier but pour Manchester United. Un but marqué par Marcus Rashford. Une chance d'égaliser peut-être. Oh là là, le ballon sur la transversale. C'était vraiment tout proche. Ici, on voyait la trajectoire plus à l'intérieur. Hein. Mais finalement, ça sort tout juste. Pas des réussites. Ah, désolé de vous avoir coupé comme ça dans votre élan. Manchester United vient de marquer donc. L'équipe prend l'avantage dans ce match 1-0. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Et la frappe. Gardon, voilà une entraînement qui tenait pas nul. Les deux équipes à égalité. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Vigna. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Bonne intervention, la passe est interceptée. Avec le ballon, les Magpies pour tenter quelque chose. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. La frappe, rien de très difficile sur cet arrêt. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Ouais, l'option de la contre-attaque est possible. Ouais, une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est bien vu cette passe. La contre-attaque était presque parfaite, en revanche. La finition. Trop de précipitation, d'énergie dans ce dernier geste, parce que l'action était magnifique. Et le ballon change de propriétaire. Et ça va être pour le gardien. Et attention parce que du côté de Villa Park, un but vient d'être marqué à l'instant. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Manchester City. Un but à zéro donc, après 42 minutes de jeu. Ok, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. C'est une bonne progression dans le camp adverse. L'occasion pour mener et c'est au fond, voilà un but important, ça leur permet de reprendre l'avantage et la rencontre est relancée. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Ah, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle.
Semawa. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Duel bien défendu. Alors au menu des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec de la première ligue, Bournemouth à Manchester City. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Et bon ballon là, donné dans l'espace. Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. Newcastle va mettre en place une attaque. Elle la fera peut-être pour égaliser. Et le but ! Voilà ! Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Je finis mon match, ça se repose. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2-2. Allez là, pourquoi pas frapper ? Tacle dans la surface. Touche à venir. Et le ballon change de camp. Et c'est donné en profondeur. Attention, incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Et c'est un échec pour cette reprise de volée. Elle passe assez loin du but adverse. Même si ce style de geste est très difficile à réaliser, même pour des footballeurs professionnels. Tout le monde ne s'appelle pas Messi. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Alors, il y aura un match de Première Ligue au programme et à suivre très bientôt. Newcastle affrontera Chelsea. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Oh, attention à ce centre. Il pique son ballon. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Ballon pour une frappe. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Et ça passe sur le côté. Il y a un peu d'espace. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Mmh.
L'équipe a beau ne pas jouer devant son public, elle monopolise le ballon depuis un petit moment. Il y a de l'ambition dans les mouvements, le ballon circule bien, ça devrait amener des situations pour faire la différence. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, pénalty. Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est sauvé par le gardien. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Aouar avec le ballon. Ça revient sur Oussem Aouar. Aouar la frappe. Un bon arrêt du gardien. Sur le côté, les Magpies ont du champ. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et attention, on me signale un but au Leicester City Stadium. Et oui, c'est le troisième but pour Manchester United. Un but marqué par Bruno Fernandes. Il était bien placé et le gardien n'a rien pu faire. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1, alors que nous en sommes à 76 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté, merci, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Aouar. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Le ballon dans la profondeur. Ah, et c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. Et c'est un ballon en sortie de but. Emre Can. C'est bientôt la fin, mais évidemment la victoire est toujours possible, peut-être sur cette action. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort en 6 mètres. Et ce ballon qui leur échappe. Oui, bien joué, le jaillissement sur cette ouverture dangereuse. Il y a un contre à jouer maintenant. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah, c'était bien joué, intelligent ce centre, malheureusement personne à l'arrivée. Vigna. Et la frappe part bien. Attention, il y a danger là. Et c'est au fond, mais oui, le drapeau s'est levé. C'est un but refusé pour une position droite. Et oui, c'est un hors-jeu d'un demi-orteil, de l'angle même. En plus, il les avait coupés. C'est un temps fort de la rencontre. Il faut aller chercher le but de la victoire. Ballon pour une frappe, tir contré sans difficulté, et le contré possible maintenant. Et c'est donné en profondeur. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Et bien fait, quelle ouverture! Et ça y est, donc l'arbitre.